va chanter Lukaku toute la soirée. Ouais, c'est génial. Ouais, moi j'ai lancé la caméra. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu, on est là pour le match entre la Belgique et le Luxembourg au stade Roi Baudouin. Hein, je crois c'est le dernier match avant, avant l'Euro. Exactement. C'est le dernier match avant l'Euro, voilà. Donc c'est le dernier match avant l'Euro. Donc j'espère que ce sera un match qui va nous rassurer. Alors aujourd'hui, pour nous accompagner, évidemment, comme d'habitude, parce que tout le monde m'abandonne, le seul qui reste, c'est Julien. Le remplaçant. Salut tout le monde. Voilà, il est là avec son maillot. Avec son maillot, ça y est, son maillot qui a une histoire assez particulière. On va vous le raconter parce que. Bon, voilà, bah sinon, on est devant le stadium, on attend que ça ouvre et après on va rentrer dans ce stade et vous faire découvrir l'ambiance qui se passe à l'intérieur, évidemment. Bon, concernant la petite histoire avec son maillot là, parce que c'est quand même exceptionnel cette histoire. Hein. Julien, non mais il a acheté le maillot floqué 6. Numéro 6 de Onana. Hein, oui, qui était officiellement Onana. Qui était Onana numéro en 6. En avril. Voilà. Ouais. Sauf que. Sélection de Tedesco tombe. Ouais. Et voilà. Notre ami Onana récupère le numéro 24. Ouais, allez, moi j'essaye de penser ça un peu plus sympa. Je me dis que vu que Witzel revient, Onana a gracieusement redonné son numéro 6 à Witzel et Onana s'est pris le numéro 24. Du coup, je me retrouve avec Onana 6 dans mon dos. Quoi. Salut les gars. Et bah toujours sympa hein, les avant-matchs ici. Il y a toujours plein de friteries, plein de petits trucs sympas. Pita House, ouais. Il y a Brad Ward évidemment. Hein, ouais, je suis content. Des beignets, voilà, un peu de tout. Hein. Je suis content de voir plus de supporters que je ne croyais. Ouais. Allez, on passe la fouille, Julien. On passe la fouille et on se retrouve inside the stadium. J'ai rencontré un ancien steward de Tubi, tiens, ça fait plaisir, Ce bon petit stade Roi Baudouin, d'ailleurs les sièges ont été refaits, mais on avait déjà eu l'occasion de les voir lors de la finale de la Coupe de Belgique, hein, entre l'Union et Antwerp. Ouais, les joueurs qui montent sur la pelouse, bon évidemment avec cette grille on voit rien du tout, hein. On voit rien mon vieux. Lukaku. Il y a de bons souvenirs avec Lukaku, hein, franchement. Les joueurs sont montés, à présent les hymnes. Évidemment, Julien, on applaudit l'hymne luxembourgeois, comme d'habitude. Notre ami Cédric Mas, je sais absolument pas qui c'est. Chantez la brabant sonne, c'est parti. Belgium. Belgium. Là, Julien, allez. Sur ce, Julien, ça a démarré, c'est parti. Ça a démarré, ouais. Le match a commencé. Ce dernier match de préparation de la Belgique face au Luxembourg, c'est parti. On est loin, hein, par contre, c'est toujours la même chose. Ouais, c'est toujours la même chose, on est super loin ici, toi. Donc. Pas dit, je crois, mais le gardien du Luxembourg, c'est Anthony Maurice de l'Union Saint-Gilloise qui vient de sortir un bel arrêt là. Ouais, c'est belle celle-là, c'est belle. Bel job. Ça doit être dedans, Julien. Ouais, ça doit être dedans, on veut gagner l'euro ou quoi. Le club du Luxembourg est bien rempli. Hein. Je sais pas si on le voit là, le cop du Luxembourg, mais j'ai essayé de zoomer dessus, mais un beau petit cop, ouais, mais bon, ils sont là. Bon, allez, ça essaye de lancer une là. Sur blessure, j'espère que ça va être grave. Bon rétablissement Thomas, si tu vois cette vidéo. Bon, 20e minute de jeu, le match se déroule relativement calmement. Pour l'instant, pas grand chose à dire. On va en profiter pour faire les pronostics qu'on n'a pas fait en début de match. Julien, que vois-tu pour ce match? On avait dit comme la France, 3-0 au moins. 3-0 au moins. Ouais. Alors moi, comme j'ai dit dans la vidéo de Julien, vu que le Luxembourg a perdu 3-0 contre les Français, on va gagner 4-0. Ça va la belle. Ouais. Je suis occupé de regarder le classement du Luxembourg dans les groupes qualificatifs de l'Euro. Et ils ont fini juste derrière la Slovaquie. Donc troisième, Slovaquie qui évidemment s'est qualifiée pour l'Euro.
avec le Portugal. Donc c'est pas n'importe quoi, hein, le Luxembourg. C'est pas n'importe quoi. Hein. Non, troisième, derrière la Slovaquie, donc... Oh là 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 là. Bon, évidemment, compliqué, Julien, de montrer quelque chose, on est loin. Hein. Ouais. On est loin. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ça va être mieux, ça va être plus sympa, ils vont être ici devant, on verra plus. Mais bon. Après, la Belgique domine son match, hein, mais c'est timide les occasions de rendre le goal. Ouais, c'est timide. Hein. C'est belle. Oh. Toute grosse occasion de Trossard. Ouais, ça y est, la grosse occasion, elle est là. Bon, il reste à une heure là. Allez, c'est parti, Julien. Allez, Julien. Ouais, elle est partie. Elle est partie. Je suis fatigué, mon frère, c'est que c'est Hollande. Tu fais ton workout ici, hein. Hey, j'en peux plus, mon frère. Ah, Lukaku! Ah, Lukaku! Vas-y! Bon, je sais pas si c'est pénalty, on est loin, Julien, mais... Bon, je pense, non? Il y a un check, grave. Ouais, il y a un check. Il y a un check. Ah non, il y a péno. Pas compris. Il y a péno. Rien compris, mon vieux. Attends, attends. Bon, on va se calmer, voilà, non, 1-0 pour la Belgique, c'est un plaisir, hein, juste avant la mi-temps, c'est bien toi, on est bien. Là, ouais, on est bien. Ça va mieux, Julien. Ouais, très bien. Ça va mieux. Ouais. Bon, bah c'est la mi-temps, hein, donc... Oh là là, attends, 2 secondes. Bon, alors qu'on a Kevin Miralas qui arrive sur la pelouse pendant cette mi-temps, et donc je disais, c'est la mi-temps, donc 1-0 pour la Belgique, ouais. Julien, il s'est pas passé grand chose, non, à part le pénalty, voilà. Exactement, mais la Belgique a dominé. Non, on n'a pas vu le Luxembourg du côté belge. Hein. Non, non, c'est vrai. Ouais, rien. Ça a refait un début de deuxième mi-temps. Mais les Belges maintenant, ouais, c'est calme, il se passe plus rien. Les Belges qui attaquent maintenant de notre côté, donc on verra peut-être un peu plus. Ou pas. Et j'ai même envie de dire, ou pas Mécano. Tiens, Belgium. Allez. Bah d'ailleurs, on parlait avec Julien, là, le maillot de la Belgique. Dites-nous un peu ce que vous en pensez de ce maillot bleu avec le short brun. Toi, à l'effigie de Tintin, évidemment, bien évidemment. Julien, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi j'aime bien aussi, ça passe bien. Ouais. Ça passe bien, apparemment, donc bon. Oh, voilà, magnifique. Oh, c'est but pour la Belgique, 2-0. Ah, ça fait du bien. Lukaku. Je pourrais chanter Lukaku toute la soirée. Ouais, c'est génial. Alors qu'on a un deux coups pour s'aider avec Lukaku. Oh, attends. Oh là 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 là, c'est exceptionnel. 58ème minute. C'est Neymar. Oh, changement du côté de la Belgique. Bon, bah, je pense qu'on peut le dire, on a quand même une meilleure deuxième mi-temps que la première. Hein. Ouais. Avec plus de cases, une Belgique qui a plus envie, et je pense qu'on va marquer un troisième. Voilà, je le dis, on va marquer un troisième, je le sens bien. Oh. Allez, Kevin qui sort, allez. Hein. On compte sur toi à l'Euro, mon vieux. Bon, problème technique, j'ai loupé le but. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Bon, bah, si vous voulez voir le but, c'est chez lui. Ouais. Bah, j'ai loupé le but, j'avais plus de batterie. Bah, tout à coup, même. But de Trossard. But de Trossard. Mais même avec de la batterie, je rate les buts. Donc, bon, au final. Bon, bah, du coup, 3-0. La 89e, 90e minute, ça va être terminé, Julien. Ouais. Bon, belle rencontre, hein. Belle rencontre, ouais. Enfin, ouais. Utilisé, je vais dire.
Première mi-temps moyenne. Deuxième mi-temps un peu plus que moyenne. Ils ont géré leur sujet, on va dire. Ouais. Tourner autour du bloc du Luxembourg. On va dire qu'ils ont géré leur sujet sans être exceptionnel non plus. Voilà. Mais bon, la victoire au bout du et au bout du coup. C'est fini. C'est terminé ici donc 3-0 pour la Belgique. Elle est faite. Le mec il est sur le goal quoi. Avec sa cadre drapeau belge. Ouais. Ouais. C'est génial. Non mais voilà. C'est drôle. Bon les joueurs qui font un tour d'honneur et après on va y aller, on va saluer les joueurs. Et on prend la conclusion à l'extérieur du stade. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petit match sympathique, voilà, 3-0. On a fait le même score que la France, je suis content, Joe. Petite pensée pour toi, évidemment, mon ami Joe. On a aussi réservé des tickets pour Belgique-France, donc j'espère que Joe pourra venir à ce match-là, ça va être exceptionnel. Ça va être sympa, voilà. Bon, petite pique avec la France, on aime bien. On les aime bien, les Français, au final. Hein. On s'amuse avec cette histoire de Belgique-France, c'est drôle. Bon, allez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve, le 22. Je crois le 22, il n'y a pas de match avant, donc ça sera le 22 juin à Cologne, face à la Roumanie, avec notre ami Julien. Et notre ami Adri qui va nous rejoindre, ça va être sympathique. On n'oublie pas évidemment les likes, l'abonnement si c'est pas encore fait. Comme dirait notre ami Adri, justement qui n'est pas là, see you at the next week. Et comme dirait notre ami le curé, see you at the next week. Julien, merci. Merci à toi. Voilà, à bientôt. Bon retour, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on n'oublie pas, Onana numéro 6, bien évidemment. Yes. Évidemment, voilà. Allez les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous, ciao. Ciao. Salut. Hein. Hey, salut.